What's up, motherfucker? Alors, hier soir, j'ai regardé un film d'horreur. Un film d'horreur à Skip. Les personnages sont tellement d'une débilité profonde que ça devient perturbant. C'est hallucinant et c'est incroyable. J'ai jamais vu des gens aussi débiles de toute ma vie. Alors, le film commence par une scène sur un bateau avec un couple de deux personnes. Pourquoi deux? Bah forcément parce que dans un couple, il faut être deux. T'es con ou quoi? Enfin, à part si vraiment... t'es assez ouvert et que dans le coup vous êtes plusieurs... Essaye de calmer s'il te plaît, calme. T'as raison. Alors là, ils sont sur un bateau, ils découvrent une île. Une île? Donc là tu te dis, ah il y aura des trucs chelous dans l'île et tout, tu commences à faire des dabs, tu te dis ce sera un putain de film, et ben non. Et ben non. Alors ces deux personnes sont en réalité les premières victimes. Ok, on a l'habitude de faire ça dans les films d'horreur, de présenter les premières victimes pour montrer un avant-goût de ce qui va se passer tout le long du film. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vais arrêter de parler parce qu'il y a un train qui est en train de passer. Alors, dans la première scène, on peut apercevoir la fille toute seule, inquiète, car elle entend des bruits chelous. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais non. En fait, c'est soit tu cries fort, ok, et tu prends le risque que Luc arrive après le tueur, ou soit tu fermes ta gueule parce que le tueur peut t'entendre. Mais tu cries pas Luc, Luc. Putain. Alors dites-vous déjà que le film commence comme ça. J'ai déjà cassé ma télécommande à cause de cette conne. Et regardez ce qui va suivre. Mais non. Putain, tu cours 20 mètres, moi, Junior TV. Je suis ici, là, ok? J'entends un bruit chelou ici. Je vais pas courir 20 mètres pour me cacher derrière un arbre. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé après? Merci beaucoup de nous avoir cassé les couilles pour rien. Elle est morte. Tu vois, le film commence comme ça, tu vois, t'as un peu la boue ici, t'as un peu le seum là, hein. C'est pas tout. Parce que ce qui va suivre après, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, mais hallucinant. Alors, c'est un groupe de jeunes, ok, qui arrivent sur l'île, bien évidemment, hein, parce que s'ils arrivent autre part, forcément, tu vois, c'est pas cohérent, ok. Il y a des blancs, et il y a un noir. Qui va mourir en premier? Ah, on sait pas. Ah, c'est le noir. Tu comptais voir le film? Le film s'appelle The Breed. Et celui qui meurt en premier, c'est le noir. Voilà, je spoil. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non, je rigole. Ah, là, je pars vraiment en couille. Là, faut que je me calme. Faut que je me la coule douce. Ok. Comment c'est bon? Alors revenons au noir. Par un moment d'égarement, bien entendu, le noir se retrouve seul dans la forêt face à un chien. Alors dans cette situation, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux crier, ok, prendre le risque que ton ami arrive avant le chien. Forcément, j'en doute parce que vraiment là, c'est vraiment, tu vois, le chien il est là, tu vois, c'est risqué, tu vois. Soit tu fais la statue, ok, qui bouge pas. Donc peut-être que le chien se dira, ah merde, il bouge pas, je lui fais pas peur. Soit tu cours vite sur l'arbre à côté et tu grimpes vite. Ou soit, t'es débile comme ces mecs et tu fais ça. Gentil le chien. Mais non. Putain, en mode le chien, il va dire, ah gentil. Ah désolé, là j'étais un peu méchant, mais là comme tu m'as dit gentil, là je vais être gentil là. Allez, salut. Putain, mais non, putain de merde. Faut que je bois là, putain. Même pour toi, putain! Mais non! Il a des gentils, le chien! Putain.
Dans les films d'horreur, dans les groupes, il y a toujours un mec au-dessus des autres. Genre, il est meilleur que les autres. Il s'appelle souvent John, il est souvent blond. Dans ce film, il s'appelle Patrick et il est brun. Ok, mais on s'en bat les couilles. Là, ils sont en train de courir, ok? Ils se font courser par les chiens. Plus vite! Vite, 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 allez, allez, allez. Là on est dans notre lit, on se dit ah il va nous sauver, il va faire un truc de ouf, il va tuer le chien, hein. Et lui qu'est-ce qu'il va faire Patrick? À ce moment-là je me suis levé de mon lit. Okay. J'ai pris la batte de baseball de mon placard et j'étais comme ça devant ma télé. Ce film, il m'a cassé les couilles. Alors ensuite, le film est vraiment bien, ok, je vais pas spoiler plus que ça, mais il y a vraiment une dernière scène. Franchement, j'étais obligé de crier. J'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Cette scène, mesdames et messieurs. John, par la fenêtre. Non, Sarah, je ne partirai pas sans toi. Stop, 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 stop. Pourquoi? Tu réfléchis, elle t'a dit barre-toi, va vivre, alors cours. Moi, une meuf comme ça qui me dit ça, sentiment ou pas sentiment, je m'en bats les couilles et je cours. Je rigole. Je rigole, on sait jamais, tu vois, on sait jamais, tu vois, si, tu vois, ça se retourne contre moi, tu vois. Bref, sinon, voilà, je compte pas vous spoiler plus que ça le film. En tout cas, le film s'appelle The Breed, il est vraiment génial, c'est un truc de ouf. Donc voilà, sinon, on se dit à bientôt, abonnez-vous et à 10 000 likes, vous êtes vraiment incroyable, motherfucker, damn. Et y a un mec, je vous jure, dans la prochaine vidéo que je vais mettre, c'est un Unity, tu vois, Unity 21. Et y a un abonné, il a fait ça. Il a fait un dab comme ça. Sans émotion, frère. Oh, j'ai été cuit. Oh, j'ai été mort. Bref, j'aime bien faire des vidéos ici, tu vois, parce que là, je peux crier au calme. C'est un truc de ouf. Des fois, j'ai besoin de crier, tu vois. Des fois, il faut que. Tu vois, il faut dégager ce qu'on a à l'intérieur, tu vois, c'est bien. Parce que chez moi, si je crie, tu vois, c'est mort, tu vois. Je peux pas, il y a ma daronne, tout ça. Respect, tu vois, respect pour la famille, tu vois. QLF.